Vous savez que le quartier est en plein renouvellement urbain, et parmi les changements qui vont s'opérer sur le quartier, il va y avoir la place du 14 juillet qui va être refaite. Et on pose la question aux habitants, qu'est-ce qu'ils aimeriez y voir sur cette nouvelle place du 14 juillet ? Peut-être un parc pour les enfants, et puis une salle pour que les gens puissent se retrouver. Ça peut être pas mal. Des jeux peut-être, pour les enfants, et des animations pour les seniors et des trucs comme ça. Parce qu'on pense aux enfants, mais les seniors, ils ont besoin de bouger aussi. Des petits trucs pour les petits, pour jouer là-bas, c'est mieux. Au lieu d'aller en ville, une petite salle de cinéma, ça sert à bien. Pour des personnes âgées et tout ça, ça sert à bien. Bah, plus de trucs pour les jeunes, pour les enfants, quoi. Peut-être davantage de choses, un genre d'espace pour les jeunes, quoi. Comme il y avait autrefois les MJC, là, ça pourrait être pas mal pour les jeunes du quartier, quoi. Il faut qu'on ait envie de s'y arrêter quand on passe, ça c'est important. Donc, je sais pas, un abri du grand soleil ou de la pluie. Peut-être un comme un kiosque. J'aimerais bien, je trouve que ça serait joli. Un kiosque ou alors un petit jet d'eau. Peut-être une autre petite salle de sport, là, parce que je crois qu'il y en a une déjà existante, mais qui n'est peut-être pas bien grande. Donc là, peut-être qu'il y aura davantage de place pour en faire une un peu plus conséquente. Donc ça pourrait être bien. C'est vrai qu'il faudrait quand même, peut-être, il faudrait une salle de sport, un gymnase. Et il faudrait aussi un local de musique, parce qu'il y en a ici, ils rappent bien et ils sont pas assez mis en valeur. Bon, que le café, un truc comme ça, reste, avec une clientèle un peu mélangée, ça serait intéressant. Voilà. Les choses qu'on voudrait, c'est avoir beaucoup de verdure. Nous, c'est plutôt pas le béton. Voilà. Je tiens à ce qu'elle garde ces arbres. C'est des arbres magnifiques, au printemps, à l'automne. Des arbres, des bancs, je sais pas moi, plein de trucs. Puis des bancs un petit peu autour, hein, voilà. C'est tout. Est-ce que ça reste un lieu vivant au cœur du quartier? Donc qu'on lui trouve une spécificité. Je ne veux pas que ce soit un truc abandonné dans un petit coin.